Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'aujourd'hui c'est le cube et le parallélépipède, aire latérale et aire totale. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, vous allez apprendre à calculer l'aire latérale et l'aire totale d'un cube et celle d'un parallélépipède. Alors voici notre exercice. Je calcule l'aire latérale et l'aire totale de chaque solide. On a ici dans cet exercice deux solides. Le premier solide, c'est un cube, voilà, dont toutes les faces sont carrées, donc égales et superposables. Et aussi, les arêtes d'un cube, elles sont isométriques. Voilà, ici, on a l'arête, est égal 3 mètres. Le deuxième figure, c'est un parallélépipède dont toutes les faces sont rectangles. Les arêtes sont opposées d'une même face. Et là aussi, trois dimensions, longueur, largeur, hauteur. Longueur 3 mètres, largeur 3, pardon, longueur 5 mètres, largeur 3 mètres et hauteur 2 mètres. C'est bon, on va commencer. Alors, deux choses sont demandées pour cet exercice. On me demande l'aire de ce carré et ainsi que l'aire totale. Alors, pour l'aire latérale est égale à fois A fois K. Que veut dire A? Ou bien, que signifie A? A, c'est l'arête. L'arête d'un cube. Et l'arête de ce cube est égale à 3 mètres. Je vais commencer justement. Je vais faire une application numérique. AL, aire latérale, est égal à 3 fois 3 fois 4. 3 fois 3, c'est 9. 9 fois 4, c'est 36. C'est 36 mètres carrés. Voilà, c'est l'aire latérale. Passons maintenant. Pour calculer l'aire totale, voici la formule. Aire totale est égale A fois 6. C'est très simple à retenir. A fois 6. A, c'est toujours l'arête. AT, c'est aire totale, est égale 3 fois 3 fois 6. C'est bon? AT est égale 3 fois 3, c'est 9, fois 6, c'est 54 mètres carrés. Voilà, c'est l'aire totale. Voilà notre prisme droit, deuxième prisme droit. Je vais commencer à chercher pour déterminer l'aire latérale et l'aire totale, comme tout à l'heure. Alors, pour l'aire latérale de ce parallélépipède, aire latérale, la formule est égale le périmètre d'une base multiplié par la hauteur. C'est bon, le périmètre d'une base multiplié par la hauteur. Alors, pour l'aire latérale, de ce rappel, je regarde ici, le prisme a deux bases qui sont rectangulaires. Il me faut déjà, dans un premier temps, de calculer le périmètre d'une base. D'une base. Voilà. Je vais calculer tout d'abord périmètre d'une base. On sait que P est égal L plus L, le tout fois 2. P est égal longueur 5 plus largeur 3 fois 2. P est égal 5 plus 3, 8. Fois 2, 16 mètres. C'est bon, c'est le périmètre. Maintenant, AL est égal P de base, périmètre du base, 16 fois H, c'est la hauteur, c'est 2. Très bien, alors AL est égal 16 fois 2, c'est 32 mètres carrés. Voilà. Et pour l'aire totale, aire latérale plus l'aire des deux bases.
AT, c'est l'aire totale, est égal à L, aire latérale, on a déjà calculé, plus la surface du vase fois 2, ou bien l'aire des deux vases. Alors, tout d'abord, je vais calculer l'aire de L, longueur fois largeur. Alors, LP est égal 3. 5 fois 3. C'est bon. LP est égal 3 fois 5 fois 3, c'est 15 mètres carrés. Voilà. Maintenant, je vais faire une application numérique. AT est égal à L, c'est déjà calculé, 32. Voilà. Plus LP, c'est 15. Fois 2. AT, R total est égal à 32 plus 15 fois 2, c'est 30. Bon, AT est égal à 30 plus 32. Ça fait 62 mètres carrés. C'est l'aire totale. Ça y est, c'est terminé. Et merci.